nous voici de retour chez les teinturiers. Et là, ça commence à être chaud parce qu'il ne reste plus que 8 unités. Je ne vais pas y arriver. Je ne pense pas que ce soit possible. Et je vais directement aller voir le gars Joe qui me vendait la parure. Donc, je vais prendre la parure. Je vais donc virer ça parce que, à mon avis, si on la prend, c'est qu'on ne prend pas le jeton. On va payer un béda. Et on va prendre l'élément 28. 26. 27 et 28. Et voilà, c'est pas le masque, je m'en doutais. Et bon, je vois pas trop ce que je pouvais faire de plus. Une parure de bijoux troquée dans les quartiers des teinturiers. Ça vaut deux machins. Super, je suis content avec ça. Bon, ben voilà. Et j'en sais pas plus, hein, du coup. Quartier militaire. Le temple d'Amun-Re, peut-être, il y avait des choses là-bas. Tant que c'est qui peut être ce masque. Tain, la vache. Je n'ai aucune idée. D'où il peut être. Des mecs corrompus. Ouais. Des mecs corrompus, c'est au temple hein, qu'il faut aller, je pense. Je vais au temple. Dans les rues, il n'y avait pas grand-chose de plus. Au temple, il y avait la prêtresse, là. Ou alors, aller directement à la tombe. Mais non, mais c'est pas possible. Ou alors, c'est dans le quartier de Setmat. Mais là, j'ai rien vu de plus. Hein. Ou alors, dans les rues. Dans les rues. Merde, je vois pas du tout, j'ai plus du tout de fil là. Toutes mes options sont épuisées pour trouver ce masque. À moins qu'il soit planqué là-bas dans le tunnel, mais ça m'étonnerait quand même qu'ils aient planqué le masque là-bas. Et il fallait que je prenne Sobeki. Lui, il sait. Et il parlera pas. Donc là, je crois que je l'ai dans le cul. Il fallait que je garde un réceptacle pour le prendre. Et grâce à lui, j'aurais su où était le masque. Mais il y a peut-être moyen de l'avoir par un autre chemin, sans passer par Sobeki. Et j'ai cette putain de clé que je ne sais pas à quoi elle sert, là, la clé, là. J'ai la clé. J'ai une parure, j'ai des outils pour de l'escalade là, une clé qui a servi à se faire sortir le mec, du poison, une parure, voilà, et le bout du plan. Donc ça c'est le plan du tunnel à mon avis. Prenez garde au serpent. Ouais. Ça c'est ce qui me permet de rentrer chez Sobeki. Et Sobeki, je peux plus le prendre parce que j'ai pas le réceptacle. J'aurais pas dû prendre la prêtresse. Si, la prêtresse, c'est peut-être quand t'es dans les tunnels après. Merde. Ah, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Et dans les rues, il y a encore une histoire de gredins là, dans les quartiers militaires. Si j'y vais, il se passe quoi? Il n'y a plus rien à faire là-bas, si je me souviens bien. Bon, allez, je vais aller au temple d'Amun-Re. Il y a peut-être un truc que j'avais pas vu. Et deux de plus. Un, deux. Et on va au temple. Là, je dois dire que là, je pars à la pêche aux infos parce que je suis dans une impasse. On va retourner au temple. Et j'ai mon gros tas. Là, j'ai plus qu'un seul gars qui est vraiment.
Alors, le temple. Là, je vais dépenser ce qui me reste d'unité de temps pour des conneries, je pense. Il y a la prêtresse, mais bon, je ne sais rien dire de plus tout ça. Alors nous revoilà devant le temple. En fait, c'est la première fois qu'on y va pour ce run. Et je vais dire ça, je ne l'avais pas lu la première fois. L'un des plus beaux complexes religieux de l'Égypte antique se trouve devant vous, Karnak. Tout entier dédié à Amon-Ré et à son épouse Mout. Vous passez au-delà de l'imposante muraille d'une trentaine de mètres de haut pour rejoindre les luxuriants jardins du complexe. Après quelques mètres dans les allées, vous êtes dépassé par des porteurs marchant à vive allure chargés de grands sacs remplis de céréales. Au centre, les portes en cèdre recouvertes d'or d'un grand temple d'Amon. Sur votre droite, une prêtresse est en pleine dévotion, tournée vers le temple et enchaînant rituel et psalmodie. Bon, avec la prêtresse, je vais aller voir la prêtresse, mais je crois qu'il n'y avait rien de plus. Donc elle va là. Avec le gros, peut-être qu'ils peuvent donner de l'argent pour soudoyer les gadjos là. Et avec Nebka, je vais aller voir les mecs qui font du foin, qui, avec leur sac de grains. Les livreurs font une pause, leurs perruques dégoulinant de grosses gouttes de sueur. Ils ont chaud. Nous livrons ces céréales aux prêtres. Elles serviront pour les cérémonies de demain, vous explique l'un d'eux. Vous pouvez profiter du repos des livreurs pour leur subtiliser quelques sacs. Agilité. Réussissez l'épreuve pour 3 sacs. Ouais, ça nous fait de la thune. C'est qui est allé? C'est lui, agilité 2. Au milieu, je crois que j'avais été voir ça. Ouais, donc là, il se passe rien du tout, hein, avec eux, là. Devant les portes, 3 prêtres vous interdisent l'accès au temple. Ouais, ça, je l'avais déjà vu. Et elle, ici. Ah, on peut lui subtiliser des trucs dans ce... Bon, ça nous fait de la thune, quoi. C'est pour se faire de la thune, ici. On peut lui subtiliser les sacs qu'elle a dans sa petite bourse, pendant qu'elle est prise. Ouais, ouais, ouais. Et bien là, je suis refait. On va aller dans le tunnel. J'ai plus que ça à faire. Allez. Tunnel. Donc, et là, ça va coûter cher parce que il y a le lancer de dés plus 1 et plus les Medjay là. Et bim, je fais 3. Donc ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Je viens ici. Et en plus, j'ai eux qui viennent là. Halt! Que faites-vous ici aux armes? Aïe aïe aïe, ça va chier. Battez-vous. Mais si un réceptacle de votre groupe n'a rien, on montre patte blanche. Mais là, je peux pas montrer patte blanche. Donc là, j'ai les Medjay qui me tombent dessus. Et eux, ils ont 4 boucliers. 1, 2, 3, 4. Et 2 têtes de mort. 2 têtes de mort. Donc on y va, on va commencer avec Nekba, qui a 3 en force. Ah c'est pas mal, hein. Il fait donc 3, 1, 2, 3, et ça fait 3 en tête de mort, donc lui il a 3 en bouclier, il perd pas de vie. Ensuite, qui c'est qu'on va prendre? Les deux autres, ils sont bidons tous les deux. Donc, un des... Ah, bah quand même. Le gros, il a mis une patate.
J'ai peut-être merdé un peu là. Et il reste la fille. F et 1. Ah ben c'est bon, on les a eus. Ouf, j'ai peut-être un peu, je sais pas, j'en ai peut-être enlevé un de plus là, je sais pas trop. Bon bref, hein, on va dire que j'ai réussi. Et on va aller au souterrain, le lieu 20. Bon, on va quand même jeter un petit coup d'œil, il ne me reste plus qu'une unité. Ça m'étonnerait que le masque il soit dans le souterrain, hein, mais bon, on va aller voir. Donc allons-y, souterrain. Je sais pas à quel moment j'ai déconné. J'ai déconné en prenant un réceptacle de trop. À quel moment j'ai bien pu déconner. Lieu 20, le voilà. Et là, ça va être la fin. On est devant la pyramide, dis donc. Avec le tunnel. Ah, mais carrément, ouais, on est dans le tunnel. Donc, à mon avis, il va falloir prendre les cartes une par une. Éviter les Medjay et leur surveillance accrue du désert n'a pas été une mince affaire. Mais vous voici devant l'objet de votre marche forcée dans ce maudit désert de rocailles à la chaleur suffocante et la poussière étouffante et la poussière suffocante. Vous êtes devant un énorme rocher au pied de la petite colline. Là, à cet emplacement qui ressemble comme deux gouttes d'eau à n'importe quel autre bout de désert, vous déplacez quelques pierres et révélez un passage assez large pour que deux hommes s'y engage de front. Vous vous glissez dans le tunnel. La configuration du tunnel vous empêche de vous séparer et vous devez explorer les cartes une à une. Tous les agents se rendent sur la carte B. Retournez, résolvez cette carte, puis passez à la suivante, et ainsi de suite. Ouais, donc là, c'est un point de... C'est une unité de temps pour chaque carte, quoi. Là, j'étais dans le cul, on va au moins voir l'entrée avant de se faire gauler. Donc voilà l'entrée, hein. C'est tout noir. Le tunnel est sombre, mais relativement large au départ. Pourtant, il se resserre rapidement et la progression ralentit. Bientôt, vous devez progresser en file indienne et être vigilant à chacun de vos pas pour ne pas trébucher. Pour pouvoir continuer, chaque agent doit réussir l'épreuve individuellement. Donc, ouais, il y a une épreuve d'architecture là, mais... Bah là déjà il y a un lancer de dés, paf. Et on va essayer de voir si on y arrive. Donc il faut faire 2 en agilité. Agilité 2. Donc là la prêtresse ici. On va voir si elle passe. Elle passe pas. Ensuite, le gros. Bon, alors le gros il a 1 en agilité. Et il a réussi à se faufiler un petit peu, mais il a le cul qui coince. Et ensuite, Nebga, 2 en agilité. Et il est coincé aussi. Bon, ben voilà. Notre histoire se termine ici, parce que là, je vais encore dépenser unité pour essayer de repasser. Aïe, aïe, aïe. On y va. 2D pour la fille. Elle est passée. Donc la fille, c'était le orange. Tac. Notre ami, le gros, un seul dé. Donc lui, il faut qu'il fasse 2 hits obligés. Oh, il a réussi. Il passe. Et donc, il ne reste plus que Nekba. Il va y arriver à faire 2. Et il n'y arrive pas. Il est coincé. Aïe, aïe, aïe. Donc on est coincé. Pour continuer, chaque agent doit réussir l'épreuve individuellement. Donc là, on ne peut pas savoir ce qu'il y a ici, parce que lui, il n'est pas passé encore. Et voilà. Bon, ben, deuxième run terminé. Et je ne sais pas où est le masque. Ça m'emmerde. J'ai été faire un petit tour dans le tunnel, histoire de voir ce qui m'attendait. J'ai pas pu aller bien loin. Et je ne sais pas du tout où peut être caché le masque dans Thèbes. Sachant que les hauts dignitaires sont corrompus. À mon avis, c'est Sobeki. Là. Il a fallu que je garde un réceptacle pour lui. Et il m'aurait tout dit. Lui, il savait où il était. Ouais, donc il va falloir que je me garde un réceptacle pour lui. Sachant qu'il y en a certains que j'ai pris qui ne servaient peut-être pas à grand-chose.
Bon, bref. Et ouais. Et là, j'aurais pu craquer. Parce que lui, il vendait ça, là. Donc, en craquant un sequin, là, un bédin, j'aurais pu peut-être acheter ça. Et avec ça, j'achetais directement le truc pour éviter de le prendre à lui. Lui, je suis obligé de le prendre. Elle, je suis obligé de la prendre. Elle, je suis pas du tout obligé. Donc, ah voilà, c'est elle que j'ai pris pour rien, en fait. Parce que j'avais déjà le lieu. Elle servait juste à ouvrir le lieu plus rapidement, mais je l'avais déjà. Donc, elle, je peux l'éviter. Et donc, comme ça, je pourrais prendre l'autre. Le petit gamin, il sert parce que il m'ouvre plus rapidement la porte de chez machin, là. Et voilà. Bon, je vois à peu près ce qu'il faut faire. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais pas faire de troisième run pour l'instant. Dites-moi si ça vous intéresse de voir un troisième run et dans les commentaires. Et sinon, je le ferai pour moi tout seul dans mon coin. Ah, vous êtes frustré, vous voudrez bien savoir où il est le masque. Et bien, si vous voulez le savoir, faut que vous me demandiez. Moi, j'arrête là et je me ferai un petit run pour moi tout seul pour savoir où il est. J'attends de voir un peu les commentaires d'ici un petit moment. Et si vous voulez, je vous le fais en vidéo, sinon je le ferai pour moi tout seul. Voilà, donc les mystères restent complets, mais on a bien avancé. À plus tard.